Je vous invite à écouter la suite de notre lettre d'amour au temple du Marais. Lettre aux Éphésiens, chapitre 3. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom, dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capables de comprendre, avec tous les chrétiens, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance, et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus dans tous les temps et pour toujours. Amen. Voici ce que je vous demande avec force, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur. Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps et un seul Esprit Saint. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, il agit par tous, il habite en tous. Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Dans les livres saints, on lit « Quand il est monté très haut, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Il est monté, qu'est-ce que cela veut dire ? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui était monté, plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps, et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et que se construit lui-même dans l'amour. Amen. Oui, amen. Précédemment dans sa lettre, Paul nous a parlé de cette famille ou de cette construction que Dieu est en train de bâtir avec tous ceux qu'il a réconciliés avec lui et qu'il appelle à vivre ensemble, c'est-à-dire vous, moi, nous tous, quoi. Une communauté, un temple, une famille. Tout ça, ce sont des images pour nous parler de l'Église, bien sûr. L'Église en tout ce qu'elle peut avoir de beau et de complexe à la fois, comme toute famille d'ailleurs. Paul nous rappelle d'ailleurs que le concept même de famille vient de Dieu. Il est l'auteur, le créateur de toute famille. Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre, dit Paul. Mais c'est quoi, au juste, une famille ? Dans notre représentation de la famille, globalement, il y a les parents et les enfants liés par la filiation et par un nom commun.
Mais dans chaque famille, il y a aussi un ordre, une organisation entre parents et enfants, entre jeunes et vieux, entre aînés et cadets. En général, je dis bien en général, ce sont les parents qui dirigent la famille, qui protègent, qui éduquent, qui aident les petits à grandir. Les enfants peuvent grandir ainsi sous l'autorité des adultes, chacun à leur rythme, en fonction de leurs âges, jusqu'à devenir eux-mêmes un jour adultes. Voilà la famille, en gros. Alors bien sûr, il y en a pour qui la famille sera toujours une notion très positive. Ils associent à la famille des choses comme l'amour, la sécurité, la solidarité, la fraternité, l'unité. Ceux qui ont grandi dans des familles fonctionnelles et relativement équilibrées n'ont en général pas trop de difficultés à voir la famille comme comme un lieu de vie, de partage, d'entraide et de bonheur. Même si tout n'était pas parfait, bien sûr. Mais pour d'autres, en revanche, la famille peut être un lieu de souffrance. Parce qu'il y a eu des abus, de la maltraitance, de la violence dans les relations, une vraie difficulté à vivre ensemble, voire différentes formes d'oppression et de contrôle. Non, c'est pas toujours simple. Mais comment ça se passe dans la famille chrétienne, dans l'Église? Dans la famille chrétienne, qui est l'Église, dit Paul, même si c'est Dieu le Père qui a créé la famille, c'est Christ le Fils qui est le chef, la tête. Et donc la dynamique spécifique de cette famille, c'est de permettre à chacun et chacune de grandir ensemble vers celui qui est la tête, le Christ. Par l'amour de Christ, chacun de nous est devenu un fils, une fille. Par la nouvelle naissance en Christ, chacun prend sa place légitimement dans cette famille qu'est l'Église. Et chacun est appelé à y accomplir sa part, son service, pour édifier le corps de Christ. Plus qu'une famille, nous formons en réalité un corps, nous dit Paul. Un corps dans lequel nous sommes tous des membres appelés à grandir pour atteindre la taille parfaite du Christ. Alors si l'on regarde le corps humain, on voit bien que dans le corps, c'est la tête, et notamment le cerveau, qui est le centre vital, le lieu du commandement. Et tous les membres du corps grandissent de manière coordonnée et harmonieuse sous ce commandement. Pour nous chrétiens, Christ est désormais le centre vital du corps auquel nous appartenons et il est appelé à être le lieu du commandement. Nous n'avons pas chacun le nôtre, c'est le même Christ, le même Seigneur qui vit en nous. Et en tant qu'Église, Paul le rappelle, il y a un seul corps et un seul Esprit Saint, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Nous formons donc un corps tous ensemble et la tête de ce corps, c'est Jésus-Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps, qui une main, qui un pied, qui un rein, qui une oreille, que sais-je encore. Le problème, c'est que ce corps est loin d'avoir atteint sa taille adulte. C'est un corps de bébé avec une tête d'adulte. Un corps qui doit absolument grandir. Et contrairement à l'image de la famille où l'on pouvait aisément accepter qu'il y ait des petits et des grands, avec l'image du corps, Paul amène un élément radical. Il faut maintenant, nous dit-il, que tout le corps grandisse. Ça veut dire quoi, au juste? Ça veut dire qu'on doit grandir ensemble, ou bien on n'y arrivera pas. Et ça, c'est vraiment le message bouleversant de ce passage de la lettre de Paul aux Éphésiens. Quoi que nous pensions
Nous sommes tous des bébés spirituels, dit Paul. Il ne nous dit pas, vous êtes encore des bébés spirituels, contrairement à moi qui suis un apôtre mature spirituellement. Il ne nous dit pas, il y en a qui sont vraiment des bébés spirituels parmi vous, et va falloir apprendre à grandir un peu. Il dit, nous. Oui, un jour, nous ne serons plus des bébés. Un jour, nous ne ressemblerons plus à ces petits bateaux poussés dans tous les sens par les vagues de la mer, emportés de tous côtés par le vent des idées fausses. Lui, l'apôtre, qui a fondé l'église d'Éphèse et beaucoup d'autres églises, cet infatigable missionnaire, ce théologien hors pair, qui a prêché, enseigné, formé des centaines de chrétiens, lui qui a été mis en prison à cause de son zèle pour l'évangile, il s'inclut lui-même dans ce « nous ». Nous sommes tous encore des bébés spirituels. Et ça change complètement notre manière de voir l'Église, en fait. Parce que, d'une manière ou d'une autre, nous calquons le modèle de la famille avec les enfants et les adultes sur celui de l'Église. Et nous avons tous tendance à considérer qu'il y a dans l'Église des bébés, le nouveau chrétien par exemple, et des adultes plus matures dans leur foi. Mais ce n'est pas ce que dit Paul. Il dit, nous resterons tous des bébés spirituels tant que nous n'accepterons pas de grandir ensemble dans ce corps qu'est l'Église. En d'autres termes, la croissance spirituelle, ça n'est pas une affaire individuelle, mais essentiellement une affaire collective, communautaire. Peut-être que ça vous déroute un peu. Parce que on a tous en nous cette image de la vie chrétienne comme une échelle sur laquelle chacun grimpe pour s'élever vers Dieu, échelon après échelon, à force de méditation, d'exercice spirituel, de lecture de la Bible. Alors certains se vantent d'avoir lu 5 fois la Bible en entier. Waouh ! Et même si on sait que c'est pas comme ça qu'on sera sauvé, on pense quand même que c'est comme ça qu'on va accéder à la maturité spirituelle. Paul est radical avec ça. Bien sûr qu'il faut prier sans cesse. Bien sûr que c'est important de se nourrir de la parole de Dieu. Bien sûr que c'est utile de jeûner, de méditer, de louer, etc. Mais si tu fais tout ça tout seul dans ton coin, si tu fais ça pour t'édifier toi-même, ça ne sert à rien, dit Paul. Parce que c'est le corps tout entier qui doit grandir. Et c'est en étant bien unis les uns aux autres que les membres peuvent grandir et faire grandir le corps. Dans la famille de l'Église, celui qui nous fait grandir, c'est Christ, par son amour et par la puissance de son esprit qui agit en nous. Il n'y a pas de père ou de mère spirituelle qui ont la charge d'éduquer les petits. Alors Paul rappelle bien sûr que Christ a donné à son Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. Mais il insiste sur le fait qu'ils ont été donnés simplement dans le but de former tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous les chrétiens, afin que chacun puisse accomplir sa vocation. Les apôtres, les pasteurs, les prophètes ne sont pas des super chrétiens ou des modèles. Ce sont des dons que Christ a fait à l'Église pour permettre à chacun de jouer son rôle dans le corps. La vie chrétienne, c'est un sport collectif. On ne gagne jamais tout seul. Nous sommes un corps, une famille, une équipe. Si l'on veut grandir, si l'on veut gagner ensemble, il faut qu'on se préoccupe des autres. Il faut qu'on prenne soin les uns des autres, qu'on se supporte les uns les autres avec amour, qu'on se laisse déplacer par les autres dans tout ce qui met notre patience à l'épreuve. Il faut qu'on reste unis, parce que c'est ensemble que nous apprendrons à être forts dans l'adversité. C'est ensemble que nous accéderons au mystère que Dieu veut nous dévoiler. Et c'est ça notre plus grand challenge et notre plus beau challenge. C'est de reconnaître
qu'on ne deviendra adulte spirituellement qu'en grandissant ensemble dans l'Église et en Église. Et grandir ensemble, oui, ça veut dire se préoccuper réellement des autres, de leur santé physique, morale ou spirituelle. Soigner nos relations, accorder le pardon, dire la vérité avec amour, parce que l'on ne peut pas laisser l'autre dans sa souffrance ou dans son péché. Cela veut dire aussi accepter d'être repris par un frère ou une sœur qui me dit la vérité avec amour pour que je puisse vraiment avancer. Soyez simple, doux et patient, dit Paul. Pour grandir vers la taille parfaite du Christ, il faut accepter de pratiquer en Église ces petites choses que sont l'humilité, la douceur, la patience, la vérité dans l'amour. Et alors nous grandirons ensemble. Parce que le modèle parfait d'humilité que nous avons, c'est Christ. Parce que le roi plein de douceur, c'est Christ. Parce que celui qui fait preuve d'une patience infinie à notre égard, c'est Christ. Et parce qu'en posant sur nous un regard plein de vérité, mais avec un amour infini, Christ nous a sauvés. En ce temps de crise, où l'on nous invite à rester chacun chez soi, où l'ennemi voudrait qu'on se méfie de tout et de tout le monde, où la tentation du chacun pour soi nous guette à tous les niveaux, la lettre d'amour de Paul nous redit une chose essentielle. En Christ, nous sommes aimés, sauvés, pardonnés, et nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Ça, c'est notre foi et notre espérance. Mais sa lettre nous rappelle aussi, aujourd'hui, avec force, qu'en partageant tous ensemble cette foi, nous faisons partie d'un corps qu'est l'Église, un corps irrigué et animé par l'amour du Christ, un corps victorieux de tous les virus de peur, de désespérance, d'égoïsme et de haine qui circulent dans ce monde. Oui, Christ les a tous vaincus sur la croix. Quelles que soient les circonstances, ne perdons pas de vue que c'est en restant profondément unis dans la communion fraternelle que nous grandirons vers la tête qui est Jésus-Christ. Plus que jamais, prenons soin les uns des autres, prions les uns pour les autres, supportons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Alors, chacun de nous grandira vraiment. Et nous pourrons un jour comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Amen.